C'est tout le monde de CGamer913. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur GTA V. Donc, pour vous montrer comment avoir du feu, enfin, une couleur feu sur sa voiture. Donc, là, je vous montre. Voilà, donc ça reflète vachement bien. Ah, moi, je suis tout seul. C'est en public, je suis tout seul. Bon, je vais vous montrer ça au Los Santos. Hop là. Là, on peut voir la belle couleur. Je sais pas si on va bien voir. Non, la qualité n'est pas, voilà, très très bien. Donc vous allez sur mat, vous prenez le rouge mat comme cela, vous retournez, vous allez dans métallisé, vous prenez rien, vous faites retour, 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 vous allez dans plaque, vous choisissez n'importe quelle plaque. Je sais même pas où elle est la plaque. Et bon, c'est pas grave. Bon, prenez une plaque, hop, vous retournez dans peinture, couleur principale, nacré, vous prenez le jaune racing. Donc voilà, normalement ça fait ça comme couleur. Très très belle couleur. Après, vous sortez, voilà, couleur secondaire, mat. Non, vous êtes dans métallisé, orange vif. Après, on va voir ça. Donc voilà. Enfin, là, j'ai pas mis la couleur, mince. Ah, quelle migodouille. Ou l'insulte que je viens de mettre, mec. Oh, tellement badass. Mince. Peinture nacrée jaune vif. Et voilà, le jaune vif sur du rouge mat. Essayez, ça marche sur bah, de toute façon sur la PS4 c'est encore plus beau hein. Donc regardez ça, donc, vous pouvez reproduire ça dans vos vidéos hein. Donc voilà comment ça fait, très très belle couleur. Allez, moi je me balade un petit peu. Donc voilà, donc c'était Gamer 913, je vous dis à plus tout le monde, bye.